Eh bien, salut tout le monde, petite vidéo en extérieur à la tombée du soir aujourd'hui. On est le 30 décembre, donc demain ce sera la journée du réveillon, la fin de cette année 2000, donc 2022. Ben voilà, vidéo traditionnelle où on vous présente les uns et les autres nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, pour cette année qui s'en vient, l'année 2023. Alors, petite réflexion, ben, je me suis dit. On peut faire très simple, se souhaiter une merveilleuse année 2023, pleine de santé, de bonheur, d'argent, de tout ce que vous voulez. C'est tout à fait traditionnel, on va dire. Mais si on fait un peu le point, il faut se rappeler qu'en début de 2022, on s'est souhaité des vœux aussi pour cette nouvelle année 2022, en se souhaitant le meilleur à tous. Et puis si on fait un peu le point sur 2022, ben, on se rend compte que on a eu toujours la pandémie qui continuait, qui est en train de se calmer. On a eu la guerre en Europe. On a les pénuries dans les magasins. On a la hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les pannes électriques, les coupures électriques qui sont prévues, un peu comme dans les pays sous-développés. Donc, si on fait un tour, etc., tout ce qu'on peut trouver, on peut se dire finalement l'année 2022 a été peut-être aussi mauvaise que l'année 2021, voire peut-être pire, sûrement pire, on va dire. Donc, que dire pour 2023? Ben, je ne vais pas vous souhaiter forcément le meilleur, on va souhaiter simplement que ça soit un peu moins pourri que les autres années. Donc, passez quand même un bon réveillon, essayez d'en profiter. De toute façon, nos problèmes pourront attendre jusqu'au 2 janvier pour reprendre le dessus. D'ici là, amusez-vous, profitez-en. J'en profite, petit message personnel. Aussi un bon réveillon, un bon réveillon de fin d'année à mes collègues qui sont au travail. Et puis voilà. Donc, merci à tous. Sincèrement, je vous souhaite une bonne année quand même, malgré tout, pour 2023. On va espérer que ça aille quand même un petit peu mieux. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. On commence à être assez nombreux. Je vais finir par croire que ce que je fais peut être intéressant. Et puis, on va essayer de continuer en 2023. Et puis surtout, on va essayer d'avancer sur le livre. Et puis, merci à tous. Profitez-en, amusez-vous, oubliez vos problèmes. Buvez un petit coup à ma santé. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci.